Bien, je vais vous parler de Dropbox. On a fait hier une petite mise au point. Je voudrais quand même éclaircir certaines choses et peut-être plus calmement pour que vous compreniez bien comment ça marche. Donc, pour Dropbox, je ne reviens pas sur l'installation, hein. Vous allez tout simplement sur votre Internet. Enfin, je fais une petite aparté quand même. Vous tapez dans votre moteur de recherche Dropbox, tout simplement. Si comme moi ça s'affiche directement, donc c'est ici, vous cliquez dessus. Double-cliquez même, ce sera mieux. Voilà, il apparaît. Donc moi je suis arrivé directement sur ma page de Dropbox, sinon s'il n'est pas installé, il va vous demander de le télécharger et de l'installer. Donc je ne reviens pas sur cette galerie-là. On en parlera un petit peu plus tard. Voilà, download. Donc vous cliquez directement ici à la limite et vous arrivez pour le télécharger. Je vous refais. Voilà. Télécharger gratuitement. Vous cliquez là. C'est terminé. Il vous faut ensuite, je vous rappelle, pour l'installer, il va vous demander votre adresse mail et un mot de passe. Je vous conseille de prendre toujours le même mot de passe que vous prenez d'habitude pour ne pas vous tromper. Et l'adresse mail, pareil. Alors par contre, moi je vous conseille quand même un jour ou l'autre, si vous êtes, on a vu hier soir pas mal de problèmes pour se connecter à vos comptes internet et puis à vos comptes surtout, aidez-moi, pour vos mails, hein, surtout sur Orange ou des trucs comme ça, c'est un peu le bazar pour se reconnecter d'un ordinateur ou d'un autre emplacement Wi-Fi. Moi je vous conseille Gmail. Maintenant vous faites ce que vous voulez, vous êtes libre, grand et vacciné. Allez, je vous laisse là-dessus. Maintenant, on va parler du logiciel Dropbox. Donc, Dropbox va vous servir à monter toutes sortes de fichiers sur ce qu'on appelle depuis Apple le cloud. Donc, Apple, c'est iCloud. Là, c'est un autre cloud, mais c'est un truc qu'ont inventé les Américains. Donc, j'ai plusieurs possibilités. Soit vous avez un icône directement sur le bureau avec Dropbox. Soit vous avez ordinateur, vous cliquez dedans et vous avez dans vos favoris, il s'est mis par défaut le fichier Dropbox. Vous cliquez dessus et je vais agrandir ma fenêtre. Voilà, vous avez alors normalement il y a un premier fichier PDF. Vous créez autant de fichiers que vous voulez sur cette page. D'accord? Donc je vais faire un petit essai. Pour ça, je clique droit, je fais tout simplement nouveau. Nouveau dossier, donc il s'est mis là. Je le renomme. Je vais faire un fichier essai. Voilà. Je vous rappelle le principe. Il y a des petites coches vertes et des petites coches bleues. Les petites coches bleues, ça synchronise. Les petites coches vertes, c'est synchronisé. Donc toutes celles qui sont en vertes, elles sont OK, y compris le dernier que je viens de mettre qui est essai, qui est vide. Vous voyez. Vous cliquez dedans, c'est vide. Vous prenez un fichier, alors je vais prendre par exemple un dossier, je vais réduire d'abord ma fenêtre comme ça vous allez voir comment je procède. J'ai un fichier qui est sur mon bureau, je le prends, je le glisse tout simplement à l'intérieur. Voilà, donc il est là, il vient de se copier dans le Dropbox, il est en train de se synchroniser. Une fois qu'il aura terminé, alors j'ai pas mal de dossiers qui synchronisent, donc c'est un petit peu long. Une fois qu'il aura terminé, voilà, la coche est verte, c'est fait, impeccable. Je peux mettre autant de dossiers que je veux. Et cette page, enfin, cette fenêtre, ou cette, là c'est un JPEG, donc c'est une image, vient de se monter via le cloud, c'est-à-dire sur Internet à l'extérieur de votre ordinateur. Donc à partir de maintenant, je retourne sur ma page initiale. Voilà, j'ai tous ces fichiers-là qui sont à l'extérieur de mon ordinateur, sur lequel je peux accéder de n'importe où, n'importe quand, à n'importe quel moment, de n'importe quel ordinateur, partout, partout, partout dans le monde. Alors, je ne parle pas de partage, je parle seulement d'aller voir vos fichiers pour l'instant. Donc, je le ferme. J'ai ensuite, donc, ce que je vous ai fait voir un petit peu tout à l'heure, la possibilité d'aller, c'est pas là, pardon, sur Internet. De Internet, je tape donc tout simplement Dropbox. Donc comme tout à l'heure, je clique dessus.
Donc moi, il s'est mis directement parce que j'ai enregistré mon nom. Sinon, il va vous demander de se connecter. Ça se passe ici, il y a marqué se connecter. Vous mettez votre adresse mail, votre mot de passe, et c'est tout. Je vais quand même le faire pour vous montrer. Donc je vais me déconnecter. Voilà. Donc il vous demande exactement ce qui est marqué ici. Vous mettez votre mot de passe, votre adresse mail, votre mot de passe. Vous cliquez, vous mémorisez, comme ça vous évite de le refaire. Si vous n'avez pas encore créé votre compte, ben c'est pas compliqué, c'est marqué là, vous cliquez dessus et vous remplissez votre nom, prénom, ça et le mot de passe. Vous mémorisez, vous n'oubliez pas, vous vous connectez et vous arrivez donc sur cette page-là avec tous les fichiers et notamment celui que je viens de mettre en ligne qui s'appelle Essai. Je clique dedans. Je vois bien ma photo que j'ai mise tout à l'heure en ligne. Hein, voilà, il y a 25 minutes. Par un peu exagéré, ça fait 2 minutes que je parle. Je clique dessus et voilà mon image que j'avais capturée pour vous expliquer comment on met une Dropbox. Alors je vais commenter mon image en même temps depuis Lightroom. Alors. Pour la partie Lightroom, c'est terminé. Pour les exports, je vais en reparler tout à l'heure. Je vous explique un tout petit peu comment de Lightroom je viens dans ma Dropbox. Donc sur Lightroom, vous avez exporté un fichier comme vous faites d'habitude. Normalement, vous êtes par défaut sur une exportation sur le bureau ou là où vous voulez. En principe, je vous l'avais déjà fait paramétrer, mais ça marche pareil, exporter sur un bureau classique. Je vais maintenant vous montrer comment on se met directement dans le fichier Dropbox. Alors pour ça, vous avez le premièrement, le deuxièmement, le troisièmement. Donc vous suivez ce qui est marqué. Premièrement, vous allez vers dossier spécifique. Donc si ce n'est pas affiché comme ça, vous cliquez ici, vous déroulez jusqu'à ce que ce soit affiché, vous cliquez dessus. Ensuite, pareil, vous sélectionnez. Vous allez chercher votre dossier Dropbox qui normalement est dans votre disque dur, un truc comme ça. Moi je l'ai déplacé donc vous fiez pas ce que j'ai marqué, mais vous allez retrouver facilement. Vous cochez placer dans un dossier, un sous-dossier. Vous mettez le titre de votre choix. Là j'ai mis sorti du club à Chartres, mais ça peut être n'importe quoi. Donc ça, ce sera le nom de votre dossier. Ensuite, les photos, vous les renommez, donc vous cochez. Vous cliquez ici, vous déroulez, vous me mettez nom personnalisé, la séquence. Le texte personnalisé, donc là j'ai marqué Félix, c'est ce que vous a demandé Philippe, c'est de mettre vos initiales. Donc l'exemple qui s'affiche en dessous vous montre mes initiales, mon numéro de série de photo et le point JPEG qui est la photo par défaut. Alors pourquoi je démarre avec, c'est un conseil que je vous donne, de mettre 100 et pas 1, comme c'est marqué. Parce que quand vous numérotez vos photos et qu'elles se remettent dans l'ordre, dès que vous passez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 et 11, 12 vont se remettre après dans l'ordre d'affichage. C'est-à-dire que pas Internet, Explorer, il ne comprend pas trop. Il va chercher par ordre alphabétique. Donc tout ce qui va commencer par 1, il va commencer par 1, 10. 11, 12, il va oublier le 2. Et ensuite, quand il va passer au 2, il va mettre 2, 20, 21, ainsi de suite. Donc c'est pour ça que je vous dis 100. Vous démarrez à 100. En général, vous n'avez pas plus de 1000 photos à monter. Donc c'est plus pratique. Il va lui réellement chercher 100, 101, 102, 103, ainsi de suite. Donc pour ça que je mets 100. Vous pourriez faire 10, mais ça fout aussi un peu le bazar. Voilà, donc ça c'était pour la petite histoire, c'est pour le conseil, c'est pour une obligation, vous faites comme vous voulez. Ensuite, pour les paramètres de fichier, donc là il y a deux possibilités. Soit, alors vous mettez en JPEG bien sûr, la qualité, moi je mets 100%, vous pouvez la réduire, ça fera un poids un peu plus léger. L'espace colorimétrique, c'est le même que votre appareil photo. Ensuite, vous pouvez cocher cette case et limiter la taille de vos photos, une par une. Là, par défaut, il y a 100 kilos, vous pouvez mettre 500 kilos, etc. Donc ça, c'est une possibilité. La deuxième, moi je préfère ça, maintenant chacun fait comme il veut, c'est de dimensionner l'image. Donc vous cochez redimensionner, largeur, hauteur, vous pouvez choisir d'autres paramètres, vous cliquez là, vous déroulez. Moi je mets 1600 par 1600. Pourquoi 1600? C'est en général la dimension d'un écran. 1600, il y a un peu plus grand, enfin c'est la taille moyenne en général.
Je crois que le vidéo qui est au club, il fait 1600 aussi de largeur. Donc c'est un bon compromis. La résolution 72 dpi pour un écran, il n'y a pas plus de 72 dpi de là à là en résolution. Si vous faites ensuite un tirage, effectivement, faut monter à 240, voire 140 pour une imprimante. Voilà, donc c'est les trois valeurs à se rappeler. 72 pour un écran, 140 pour une imprimante et 240 si vous faites tirer vos photos en grand format et d'une très belle qualité. Ensuite, vous avez la netteté de sortie. Donc là, ça va renforcer un petit peu votre netteté. Moi, je coche cette partie-là. Je l'affiche. Alors, il y a pour papier ou pour écran. Donc, je mets pour écran puisque ça va être destiné à être vu. Et là, vous avez standard ou élevé. Moi, je mets élevé. Une fois que les paramètres sont rentrés, hein, que vous avez bien choisi votre truc, vous cliquez sur Ajouter, ici, et ce fichier-là va s'afficher et se mettre à jour. Si des fois vous voulez changer des paramètres, vous êtes un peu trompé, il suffit de rechanger le paramétrage, vous cliquez droit sur Dropbox et vous faites mettre à jour les paramètres actuels, tout simplement. Donc une fois que vous reviendrez la prochaine fois pour exporter vers votre Dropbox, vous cliquez ici sur Dropbox, les paramètres se réaffichent, vous faites exporter et c'est fini. Vos photos se mettent directement sur la Dropbox, comme on a vu tout à l'heure, c'est pas la peine de glisser votre fichier, il ouvre directement un fichier. Donc si j'ai le temps, je ferai une deuxième vidéo pour vous montrer en direct comment ça se passe. N'oubliez pas qu'une fois que vous avez coché Dropbox, ça reste affiché, vous éteignez Lightroom, ça reviendra dans cette partie-là. Donc méfiez-vous à revenir de temps en temps sur le bureau classique, notamment si vous destinez vos photos à un tirage. Parce que sinon, il va vous baisser la résolution et vous serez à 72 dpi. Faites attention à ça. Voilà, donc ça c'était pour la petite histoire pour Lightroom. Je ferme. Maintenant, on va parler de partager vos fichiers. Donc là, on a vu, vous les montez en ligne, vous les regardez d'où vous voulez en France. Maintenant, il s'agirait peut-être d'aller. Alors, j'ai une touche raccourcie, hein, c'était un peu plus rapide. D'aller les voir directement et de les partager avec soit Club Photo, soit quelqu'un d'autre. Donc, pour partager, plusieurs possibilités. Vous avez le lien et vous avez après ce qu'on appelle le partage qui est en haut. Alors, il y a une distinguo à faire entre les deux. Le lien, il y a plusieurs solutions. Le fichier ESC que j'ai fait ici, il y a la petite chaîne, partager le lien, je clique dessus. Voilà. Donc, normalement, vous devriez arriver tous comme moi à partager cet essai. Et là, vous mettez une adresse mail que vous voulez. Donc là, je tape les premières lettres. J'ai mon nom qui apparaît en haut. Je clique dessus. Je fais un petit coucou. J'ai oublié un U. Hop. Voilà. J'ai juste à faire envoyer. Et c'est terminé. Si j'ouvre mon Gmail, il va me dire que j'ai un. Voilà, James via Dropbox vient de m'envoyer un essai. Afficher les images. Voilà. Donc pour voir mon Dropbox, ça arrive comme ça chez quelqu'un. Vous cliquez ici. Je vois la photo que j'ai envoyée. Je double-clique et je reviens sur ma page. Voilà. Donc ça, c'est la première chose à faire. Si vous êtes sur une page comme ça qu'on vous a envoyée, pour télécharger l'image, clic droit, enregistrer sous. Ou alors vous avez ici télécharger et il va vous demander où vous voulez le mettre. Alors je vous conseille sur le bureau et voilà, alors vous avez une note que vous pouvez changer. Donc ça c'était pour la petite histoire. Cette photo vous pouvez encore la partager avec quelqu'un. Vous cliquez là, vous le renvoyez à quelqu'un d'autre. Donc ça c'est pour les gens qui reçoivent uniquement. Donc je referme ça, je reviens sur ma Dropbox. Vous avez une autre possibilité, donc là on a vu par la petite chaîne, on peut très bien cliquer là-dessus et faire directement le lien. Et il revient, partagé avec d'autres, par d'autres utilisateurs. Voilà. Bon, c'est pas très pratique par cette possibilité-là. L'autre chose, vous cliquez droit dessus, voilà. Et il vous met partager le lien. Donc vous faites pareil, partager.
Et vous revenez comme tout à l'heure, vous mettez votre adresse mail, vous l'envoyez, vous pouvez en mettre plusieurs. Vous pouvez importer vos contacts qui sont dans votre messagerie. Alors quand vous allez importer, bah, ceux qui sont chez Orange, malheureusement, ou Free, ils pourront pas importer leurs contacts. C'est pour ça que je vous conseillais d'aller chez Gmail, parce que ça devient un petit peu le standard universel, et ils vous proposent de récupérer toute votre base de données. Bon, ça c'est pour la petite histoire. Donc je referme ça. On est toujours sur l'histoire des partages. Donc là, j'envoie une photo ou un dossier ou des formats Excel ou PDF ou ce qu'on veut. On peut mettre n'importe quoi. Vous voyez, j'ai mon CV là qui est là. Ben, il suffit que je l'envoie. Je fais clic droit, partager le lien. Je l'envoie à quelqu'un et c'est fini. J'ai un truc un peu plus compliqué à vous montrer qui est le partage de fichiers, qui est cette option-là. Le partage de fichiers, ça vous permet d'avoir un nom, un dossier, comme j'ai fait avec Philippe, dans lequel je peux glisser des photos ou des dossiers, comme ici, mais Philippe peut aussi glisser ses propres photos et ses propres fichiers. Alors l'inconvénient, c'est, enfin l'inconvénient ou l'avantage, ces fichiers peuvent être modifiés par les deux personnes ou plus si on en met plus, mais vous allez récupérer donc les photos de Philippe ou les miennes en même temps. Donc moins vous aurez place sur votre Dropbox, plus vite on va vous le saturer. Donc je vais vous montrer un peu ce qui s'est passé. Philippe m'a envoyé, enfin a glissé directement le collectif du 14 juillet 2013, on, je vois donc toutes les photos qui ont été sélectionnées pour le feu d'artifice. Je reviens en arrière. Vous voyez toutes ces photos-là. Donc j'ai bien, moi maintenant, j'ai accès à toutes les photos de tout le monde, celles de Véronique, celles de Philippe, qui ont été triées, celles de Jean-Marie, les miennes. Donc voilà, là on voit bien l'histoire du trigramme et puis des choses comme ça. Anne-Marie, Béatrice, qui c'est qu'il y a d'autres? Non, ben c'est tout. Donc là, on a toutes les photos qui sont arrivées, avec leur poids. Plus elles sont grosses, plus elles vont saturer. Enfin, pas la photo, mais votre Dropbox. Donc pour faire ça, je reviens sur mon truc essai. Voilà. Je clique ici. Ah merde, je clique pas, pardon. Je vais directement dessus sans cliquer et je vais faire un clic droit. Alors attends, j'ai perdu essai. Il est là. Clic droit. Et là, je fais inviter à rejoindre. Donc il y a le petit arc-en-ciel comme ici. Et là, je tape l'adresse de Philippe. Il va pas se mettre là-dessous. Alors, je vais remettre la mienne. Non. J'ai pas importé les contacts. Ah bah tiens, je vais le faire en direct. Gmail connecté. Donc vous voyez, on voit les propositions qu'il vous met. Donc moi, comme je suis sur Gmail, bah, je vais cliquer là-dessus. Voilà. J'ai déjà connecté à Gmail, donc ça devrait marcher. Inviter les membres à rejoindre ce dossier. Voilà. Garcia. Il va se mettre. Donc j'ai Philippe ici. Alors, il a 25 000 boîtes aux lettres, bien sûr, c'est pratique. Je vais le mettre sous un autre nom. Voilà. Donc Philippe, il est là. Je clique dessus. Je mets un petit texte. Et je fais partager ce dossier. Voilà, donc ça a été envoyé. Le dossier partagé, moi j'ai un petit message qui m'indique ça. Philippe, il va recevoir un message. Alors je ne peux pas vous le montrer parce que ça arrive chez lui. Comme quoi il est invité à partager ce dossier avec moi. Mais il n'est pas obligé de l'accepter, il peut le refuser. Dans ce cas-là, bah, c'est tombé à l'eau et on ne va pas plus loin. Par contre, s'il met oui, partager ce dossier, dans ce cas-là, il prendra les photos de chez lui, il y glisse dans ce dossier-là, et moi, je vais importer automatiquement ces photos et je les verrai. Pareil pour les miennes, il les verra aussi de son côté. S'il y en a une troisième personne qui nous rejoint dans le groupe, eh ben, c'est pareil, il met ses photos et les trois recevront les photos en même temps de tout le monde. Voilà les différents moyens de partage. Donc ça, c'était pour la partie Internet. On peut le faire directement aussi. Je vais cliquer là. Je peux le faire
Je vais reprendre une autre photo ici. Non, je peux pas le faire ici. Je vais la mettre à la racine. Alors, je peux la mettre dans Essai. Il va synchroniser et voilà. Et une fois que ma photo est mise là, je peux faire clic droit, partager le lien. Donc voilà. Donc là, il vous a mis un petit message comme quoi le lien capture a été mis dans le presse-papier. Donc cliquez ici pour l'afficher. Voilà. Donc ça, c'est la première possibilité. Vous faites partager. Vous remettez une adresse mail, vous faites envoyer. Ok, ça c'est pas très compliqué. La deuxième chose qui peut se faire, donc là il a copié, il a bien dit dans le presse-papier. Alors je vais dans ma partie Gmail. Alors c'est peut-être un petit peu compliqué parce qu'on va un peu partout. Je vous montre toutes les possibilités. Après vous choisirez. Vous faites nouveau message. Et là, il suffit de se mettre dans la zone texte. Alors hier, il y en a qui m'ont posé la question, si on écrit avant, est-ce qu'on perd le presse-papier? Absolument pas. J'écris, je fais CTRL V, ou je fais tout simplement, je vais le mettre en dessous, clic droit, coller, et il remet à chaque fois le presse-papier. Donc là, c'est le lien internet de la photo que je veux partager. Donc ça, je l'envoie à Tartempion, ça part, lui il va le recevoir, il clique dessus et la photo apparaît, tout simplement. Donc voilà les différents types de partage. Donc rappelez-vous qu'il y a des liens, ça ne sert qu'à faire voir vos photos à quelqu'un d'autre. Et vous avez l'option partager les dossiers, qui elle est une option de partage interactif avec plusieurs. Donc j'espère que vous avez bien compris la nuance entre les deux. Je vous conseille dans un premier temps de partager, mais à l'avenir, au club, on va partager nos dossiers pour pouvoir monter nos galeries et les sciences critiques. Et à terme, Philippe, lui, va tout récupérer via le disque dur qu'il a acheté l'autre jour et stocker les photos dessus pour pouvoir faire des galeries ou faire des impressions de photos pour faire des expositions. Voilà le but final. Donc ces photos de Dropbox dans ce fichier partage vont servir que de zone tampon, ce sera du temporaire, sinon on va saturer les Dropbox de tout le monde. Donc on met nos photos, Philippe les récupère une fois qu'il a fini de récupérer. Ah. Une fois qu'il a fini de les récupérer, il les effacera. Pensez aussi à les effacer de votre côté parce que sinon, lui ne peut pas effacer chez vous, il peut effacer que de chez lui. Voilà, bah je pense que c'est clair. Alors vous voyez, moi j'ai plein de fichiers que je partage soit avec vous, soit avec d'autres, hein, y compris pour mon boulot. J'ai d'autres trucs. Hein. Hier, on parlait de SketchUp. Oui, j'ai des photos de PDF, pas des photos, pardon, de SketchUp que j'ai réalisé. Alors, juste pour la petite histoire, voilà ce que peut faire SketchUp. C'est une espèce de logiciel de dessin. Bon, ceux qui n'étaient pas là hier, effectivement, vont pas bien comprendre de quoi je parle. Mais ceux qui ont suivi la petite démonstration en 3D que j'ai faite, ben ça donne ça. Hein, quand on maîtrise un petit peu le logiciel, il y a des choses très intéressantes à faire. Je vous montre un petit peu. On peut afficher toutes les vues comme on veut. En 3D, changer le style également. Vue de dessus. Et le rez-de-chaussée d'un des bâtiments. Voilà, donc ça c'est la petite aparté, c'est juste pour montrer qu'il y a d'autres fichiers que les photos qu'on peut partager. Et bien avec ça, j'espère que vous avez tout compris. Moi je vais refaire tous ces essais. Le deuxième, il est là. Alors vous voyez, quand on fait un fichier partagé, j'ai oublié de vous le dire, il y a les petits bonhommes qui apparaissent. Alors les logiciels en l'occurrence, bah, tout ce qui est logiciel un petit peu illégal, je les fous dedans et si j'ai envie de vous les partager avec tout le monde, bah, c'est là que ça se passe. Voilà, donc c'est pour ça qu'il y a des petits bonhommes. Mais tout le monde n'a pas accès, j'ai pas donné à tout le monde. Ça, je le supprime. Et puis je vous dis à une prochaine fois pour voir autrement. Merci, à bientôt.